Donc, je suis Hélène Courtois, je suis professeure d'université et je suis astrophysicienne cosmographe. Je travaille à l'Institut de physique des deux infinis de Lyon. Mon métier, c'est donc d'être une astrophysicienne et qui s'est spécialisée en cosmographie. La cosmographie, c'est la cartographie de l'univers. Et en particulier, je fais des cartographies dynamiques, c'est-à-dire que je mesure les distances à d'autres galaxies dans l'univers et leur vitesse de déplacement due à la gravitation. Donc, ma question de physique, c'est qu'est-ce que la gravitation? Et pour cela, j'utilise les plus grandes distances possibles et les plus lourdes masses, les galaxies, pour faire des tests de la gravitation à très grande échelle. Le titre, du chapitre dans ce livre, c'est L'Aniakea, notre adresse dans l'univers. Ce qu'on veut transmettre, c'est que l'univers est immense, mais on peut le cartographier. On a cartographié actuellement à peu près jusqu'à 1 milliard d'années-lumière dans l'univers. Pour collecter les données, le terrain lui-même, c'est d'aller au télescope. Donc les télescopes sont situés sur des montagnes en très haute altitude pour avoir le moins d'atmosphère possible entre nous et les images des galaxies qu'on observe. Cela peut être aussi des télescopes spatiaux. Et par exemple, l'INDP3 fait partie d'un grand consortium de construction et de mise en orbite du télescope Euclide, qui est un télescope qui va nous permettre de cartographier l'univers et de mesurer l'évolution de la gravitation, de l'expansion accélérée. Et donc, on espère apprendre vraiment beaucoup dans les 10 années qui viennent sur ces deux grands pans de la physique que sont la gravitation et l'expansion de l'espace. Donc, c'est vraiment un métier qui est très très valorisant intellectuellement et on a besoin de beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à étudier la physique.